La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine se calène pas pour même qui remet l'évangile ou même cap chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV se canal pas. Branchez et fait l'autre monde branché nous sur YouTube, live ou en replay. Moi salue chaque frère nous, chaque sœur nous, chers auditeurs, auditrices. Et captant de nous à travers radio télé La Victoire, eh bien nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons Pasteur Raymond, à toute équipe li, animateur yo, qui a travaillé dans la radio, Frère Finel Théophile. Et nous saluons dans le nom de Jésus. Et nous comptons pour nous, et normalement, tourner encore aujourd'hui, hein, et pour nous capables de continuer avec ces études que nous gagnons. Et chaque semaine, et que bon Dieu capable de visiter nous chaque là, que bon Dieu bon nous aurait de disciples, et le nous fin temps des paroles, pour nous capable de réagir, pour nous mettre en application. Bon Dieu qui gagne tout pouvoir, qui était là, qui là, qui est toujours là, nous remercions infiniment pour grâce ou faveur, parce qu'on t'a choisi nous, et on permet que nous appuyons là ou même, nous remercions pour ça. Et nous demandons grâce ou faveur, bénédiction et présence ou capable d'animer nous chaque qui là et moi-même plus particulièrement pour nous parler, pas selon ça nous l'a dit, mais selon explication que on va permettre que orienter nous et langage nous pour nous bailler avec chaque monde qui attend de nous et dans émission ça. Nous souhaitons va bénir équipe radio ou télévision et on va bonne assistance au nom de Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Et aujourd'hui encore, nous voulons parler toujours sur le tout Christ là, mais cette fois-ci, en tant que monde qui est l'église, qui normalement qui attend le tout Christ là, nous, si nous attendons le tout Christ là, eh bien, nous pas à fonctionner n'importe qui, gens. Et nous devons fonctionner et une façon qui est différente à monde qui n'a pas d'espérance à eux, à monde qui n'a pas ton et retour Jésus-Christ. Ainsi, sujet nous aujourd'hui, c'est attitude chrétien captant retour Christ. Attitude chrétien captant retour Christ. Ça veut dire, si nous captons retour Christ, nous avons une façon pour nous vivre, nous avons une façon pour nous fonctionner, nous avons des gens pour nous y. Ça veut dire, il y a des gens pour nous y. Selon le sujet, ça, les montrer que nous pas semblé monde captant Jésus. Même gens, si nous vivons, même gens avec tout le monde qui va espérance, tout le monde qui pas attendre, yo gen des actions n'a posé, gen des gens n'a vivre. Et bien ça a déjà montré que nous pas attendre Christ ça. Et c'est pourquoi et bien matin nous va montrer et comment et bien qui attitude en tant que chrétien nous doit gagner et bien pour nous si nous effectivement n'a attendre retour Christ là. Attitude chrétien captant retour Christ là. C'est sujet ça que nous va partager ensemble avec vous matin. Nous disons, mais ça, retour Christ là, il doit influencer la vie. Nous, chaque jour, comme chrétiens, nous-mêmes qui chrétiens, nous-mêmes qui vivons, et pareil pour Jésus, eh bien, mais ça, retour Christ là, il doit influencer nous, de motiver vie nous. Et puis, tout retendre retour Christ là, pour des gros changements. Ouais, ça, dans la conduite nous, dans la façon de vivre, dans la façon de fonctionner, vous comprendre, façon d'agir, réagir, etc., il doit porter un grand changement dans la vie nous, parce que pas gain personne excepté bon Dieu seul qui connaît date exacte Christ là a venu, qui donc nous demander nous de marcher tout pareil, marcher tout sauvé, comprendre chaque jour, comprendre nous de nous, parce que retour capable prendre surprendre nous n'importe l'heure. Qui attitude nous de gagner face à retour Christ là? Et bien non conférence ça, dans étude ça, nous pral capable montrer en 4 points. Nous pral capable et normalement qui attitude que nous devons gagner. Par exemple, nous pral capable et yon nan bagay que nous pral capable étudier ensemble, pas quitter dormir pran nous, c'est pour nous toujours à veiller. Ça veut dire que nous pas capable vivre de façon négligence avec négligence, mais nous devons toujours quitter chez nous ouvert. Et deuxième bagage que nous avons, c'est vivre, nous devons vivre dans la sanctification chaque jour. Nous devons séparer avec le monde ça.
Et troisième bagage, c'est toujours fidèle dans le service, dans le mettre là. Ça nous vient pour nous faire en tant que leader, en tant qu'ouvrier avec Dieu. Eh bien, normalement, nous devons prendre responsabilité, nous devons faire à tout que nous, à tout nous-mêmes. C'est très important. Et quatrièmement, c'est pour nous qu'un bi ferme joue sa kaba, quel que soit sanda tandi sanda oué, j'en situation, j'en le monde, j'en pays que nous vivons, j'en moment où t'apparaît difficile, t'en bouleverse, eh bien, c'est pour nous toujours qu'un bi ferme, parce que c'est après bataille que nous avons gagné pour nous couronner. Ainsi nous dit, pas quitter dormi prend nous, c'est pour nous toujours à veiller. Dans Romains chapitre 13, le verset 11 à 12, il explique ça à nous clair. Nous avons deux exhortations concernant vigilance spirituelle. Veiller et puis protéger moral. Dans l'étude, ça, nous sommes capables de deux exhortations. Nous dit, c'est pour nous vigilants. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 42 à 44, il explique ça. Tant coûte, les pour nous délivrer à plus près, nous, parce que les nous te fait convertir. C'est ça qui fait nous deux toujours à veiller sur la vie nous. Ça veut dire nous pas qu'à quitter vie nous pas qu'à fonctionner n'importe qui gens, parler n'importe qui gens, fonctionner n'importe qui gens, le monde à vivre, gens, monde qui pas converti, eh bien, nous-mêmes, nous avons l'autre vie pour nous vivre parce que, et normalement, et ça lui a les plus près que lorsque nous te croyons. Pas quitter dormi, prends-nous. Nous pas qu'à dormir, c'est pour nous à veiller, c'est pour genoux clairs. Pendant le monde a dormi, pendant le monde a gonflé, pendant le monde a fait vie rêve, yo, y a baigné dans saleté, dans malpropreté, y a baigné dans immoralité, dans corruption. Eh bien, nous-mêmes, nous pas gagné à dormir pour nous plonger dans bagaille ça, yo. C'est très important ça. Il dit parce que nous pas connaît ni qui l'est, raison que fait nous pas qu'à plonger dans corruption, dans immoralité, parce que nous pas connaît qui l'est, ni qui joue Jésus, mettre là. La gen pou l'paret. Il dit si met kay la te konn ki lè nan nuit vole t'ap vini, par exemple, il ba illustration ça. Et bien, si nous te konnen, par exemple, ki lè on vole t'ap vini, zenglen dou t'ap rentre nan kay la, etc. Et bien, ki sa nou t'ap fè, yon brigade, etc. Tout moun t'ap arrange ou prepare ou pou tan vole a. Vous comprenez, yon t'a alerte tout, et sécurité, yon t'a alerte la police, etc. Pour venir rester dans la veille pour bailler sécurité. Mais malheureusement, nous ne connaissons ni qui l'est, eh bien, ni qui joue, eh bien, Seigneur nous, l'a bien pour le paraître. C'est ça qui fait nous besoin de faire tout arrangement. L'IPAT a quitté le cassé KLA, vous comprenez? Et nous avons fait tout arrangement, eh bien, dans ce sens ça, pour voler à pas rentrer, pour ne pas casser KLA. Mais c'est parce que nous ne connaissons ni qui joue ni qui l'est, eh bien, et voler à rentrer, c'est ça qui fait tout. Et quelquefois, les rentrer, les fait un pile bagarre, il fait un pile des autres, il crase, il brise, parce que nous ne connaissons qu'il est, que l'étape vie. Qui j'en yon chrétien capable de vigiler? Nous dit propre moral. Et il explique ça dans Romains 13, verset 12 à 14. Les chrétiens doivent vivre, yon gens qui fait bon Dieu plaisir. Li doit toujours battre pour lui sembler à Jésus. Dans l'action, dans l'attitude, dans le comportement, dans ça l'a fait, etc. Il doit sembler à Jésus. Vous ça? Qui Jean l'a fait ça? C'est pour lui voir jeter toutes œuvres lâchées, depuis ces bagailles lâchées pour exiger. Par exemple, jeune n'a pas pour marier, il n'a pas qu'à aller pour la coucher avec fille, pour la coucher avec garçon, il n'a pas qu'à aller pour l'attendre n'importe quelle musique, etc. Vous comprenez? Pour le faire n'importe salve avec col. Vous comprenez? Eh bien, c'est toutes œuvres bagailles ça, eh bien, c'est pour vous. Voyez-vous bien, là. Dans Ephésiens 5, verset 19-20, dans Romains 13, verset 13 à 14, eh bien, il explique ça, il fait nous comprendre ça. Il dit, c'est pour lui prendre, mettre sous lui toute qualité âme bon Dieu, yo. Ephésiens chapitre 6, verset 14 à 18, eh bien, il ben nous différents âmes. Il parlait de la foi, il parlait de casse la parole de Dieu. Et c'est ça que fait, un chrétien de persévérer, doit aller dans l'étude, dans l'école dominicale, dans le service de prière, yo, dans les conférences, yo, comprendre, dans le service d'évangélisation, yo, pour qui ça, pour le capable, eh bien, normalement, chercher le Seigneur, pour le capable, tendre des paroles, et pour le capable, d'avoir l'autre vie qui est différent,
de monde qui pas connaît bon Dieu, de monde qui pas espérance, de monde qui pas tant rien, mais qui comprennent que vie c'est bien manger, bien boire, après ça mourir, yo penser toute bagaille fini. Pourtant nous-mêmes qui ont espérance qui c'est chrétien, eh bien attitude nous doit différent par rapport avec eux-mêmes qui sans espérance. Et c'est très important pour nous faire ça et ça va permettre que nous agir comme chrétien et nous avons une attitude qui montre effectivement l'attente de Christ. Un chrétien qui a mené la vie qui droite, c'est un monde qui protège contre toute attaque diable. Ça veut dire que c'est un avantage lié là pour sous terre et un deuxième avantage encore inexprimable, eh bien c'est parce que ou gagnez pour aller dans le ciel, Jésus gagne pour tourner venir chercher. Et puis sous terre là, ou son monde qui protège. Ça veut dire pas rien qu'arrive si bon Dieu pas bail permission. C'est très important ça. Et c'est très important. Et deuxième bagaille, et normalement que deuxième attitude d'un chrétien doit gagner contre un chrétien capitaine Christ, eh bien vivre, il doit vivre dans sanctification chaque jour. Pour ça chaque jour les deux vivent en sanctification. Sanctification est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 8, 2 Pierre 3, verset 11, 15, Hébreux 12, verset 14. Il dit rechercher la paix. Ça, ça veut dire nous devons vivre dans ça, bon Dieu voulait, c'est pour nous vivre dans sanctification. Ça veut dire c'est volonté, bon Dieu, c'est ça, bon Dieu voulait, en tant que chrétien, en tant que monde capitaine Christ, c'est attitude, ça nous gagne, c'est pour nous vivre une vie qui est séparée, eh bien, normalement, avec le monde. Ouais ça, il dit que bon Dieu qui relève nous en lui saint et c'est lui-même tout qui a fait nous saint. Et il dit dans Hébreux c'est pour nous rechercher la paix avec tout c'est la sanctification. Et dit sans sanctification, pas de monde qui capable aller dans le ciel. Ça veut dire que un chrétien qui dit l'attend nous tout Christ ça deuxième attitude il doit gagner, il doit mener une vie de sanctification, une vie qui séparée avec le monde. On nous voit qu'on y a une autre attitude chrétienne doit gagner pendant l'attente du retour Christ. Nous devons vivre dans la sanctification chaque jour. Et ça nous explique ça, les montrer nous ça très clairement. Et c'est pour nous comprendre ça. Donc, et bien nous sanctifier, vous l'avez dit, mettez à part pour bon Dieu. Par rapport à la position nous dans Christ là, nous tous qui doit dans Jésus. Vous ça? Nous tous, et bien normalement qui dans Jésus. Nous c'est monde qui sanctifie. Yo relé nous sanctification position positionnelle. Mais nous pour autant cou zanjo, ça veut dire que nous devons à vivre et bien jusqu'à ce que et bien Christ a tourné venir chercher nous pour nous capable rentrer dans sanctification et bien ça nous relé sanctification finale là. Nous gain toujours j'aime péché à non quoi nous ça veut dire que vivre dans sanctification pas veut dire que nous pas gain nous gain nature péché nature péché non nous nature pécheresse là ouais ça mais nous dit que nous met deux mains nous vie séparé et ben nous quitter Christ à Saint Esprit à mener nous et laisse à la bonne force à courage pour nous capable mener nos vie qui a pas et bien pour bon Dieu Satan toujours à pousser nous faire ça qui mal et donc apôtre Paul dit ça chaque fois il t'a rien fait ça qui bien et cependant c'est ça qui mal qui vient devant. Mais lorsque Christ là, eh bien normalement, ben nous force à courage li, nous capable résister contre en pile bagaille qui pas bon. Qui donc nous de goumen pour nous mener yon la vie qui séparé à toute forme péché. C'est ça relé sanctification progressive la sanctification eh bien de jour en jour, eh bien vie nous te kon mener autrefois, eh bien nous vinn joindre avec Christ, eh bien nous obligé de temps en temps n'a reculer jusqu'à ce que nous détacher eh bien avec toute bagaille qui ca empêcher nous la gloire. Nous dit mais les Jésus venir nous va changer, n'a délivrer net en bas présence péché ça. Ça veut dire que je dis c'est goumen n'a goumen. Ouais ça, c'est goumen n'a goumen. Sanctification finale ou bien glorification. Ça veut dire que les Jésus venir n'a bien pour nous rentrer dans sanctification finale là que nous relé glorification. La Bible mande nous pour nous séparer à toute forme péché. Parmi péché chrétien doué, prend distance à lui. Apôtre Paul souligne péché immoralité sexuelle. Ça veut dire que si c'est un monde pour qu'on marie, on pas capable coucher avec une fille, on pas capable coucher avec un garçon. Ouais ça,
Je dois comprendre ça, je dois faire ça comme ça, et ces âmes vont mener une vie séparée, eh bien, avec péché. C'est pour chaque garçon qu'on choisit, madame Lee, il y a des gens qui sont responsables, qui sont d'accord avec la volonté de Dieu. Pas quitter mauvais l'envie, pousser nous, tant que moun l'autre nation, yo, moun qui pas connaît bon Dieu. Yo. Dans verset 5 à 6 là, eh bien, garçon et femme, pas fait pour vivre dans fornication, ça qui relève tout des autres lâchés. Bon Dieu, pas d'accord avec vie pratique ça yo. Ça veut dire que, eh bien, nous besoin mettre bagay ça yo en application, et c'est ça yo, bon Dieu, mande nous pour nous mener une vie séparée, eh bien, normalement, avec le monde. Nous dit bon Dieu voulait nous mener la vie à pas net pour lui. Selon 1 Thessaloniciens 4, verset 3, qui j'en ou qu'a fait ça? Vous ça? Eh bien, c'est ça que fait, nous prenons le troisième point, an, qui va nous montrer comment nous avons fait ça. C'est pour nous toujours fidèles dans le service, nous prenons mettre là. C'est pour nous gagner responsable sans durée, responsabilité. C'est pour nous vivre une vie de sanctification. Mettez-nous à part pour le Seigneur. Ainsi, troisième point, troisième bagage que nous avons capable, c'est pour nous toujours fidèles dans le service que nous avons fait. Il y a des gens que l'aile peut choisir, peut bagage, il était toujours fidèle, il était toujours persévéré, il était toujours dans toute activité. Mais aussitôt que le fin gagne, godé le fin gagne, manche la donne, et finalement, les gens qui ont fait ça, qui ont fait manche là, les mêmes n'ont pas même songé si godé a gagné manche la donne. Vous comprenez? Eh bien, un chrétien fidèle a montré par caractère li attitude li l'attend retour Christ. Dans Matthieu 24 45 49 nous venions parabole qui parlait sur deux qualités serviteurs. Serviteur fidèle, premièrement on parlait de serviteur fidèle dans verset 45 à 47 là, et deuxièmement il parlait d'un serviteur méchant dans verset 48 à 49 là. Serviteur fidèle là c'est moun Jésus va joindre notre travail là, les va venir. Vous ça? Ça veut dire quel que soit Jean Saïe, quel que soit l'attendre, d'ailleurs, pas premier groupe monde qui persécute, pas premier groupe monde qui parle mal, pas premier groupe monde qui critique, pas premier groupe monde qui humilie, qui pas gain respect pour lui, pas premier groupe monde qui pas comprendre lui. Vous ça? Pas premier groupe monde. Eh bien, normalement, qui parle l'aide avec depuis longtemps, c'est comme ça, ça a été. Mais ça qui est important, puisque et pas moun qui derrière l'eau, puisque pas travail moun, ça bon Dieu a travail, quel que soit sortant de quel que soit sort qu'on est, ça yo faire Jean Bagala difficile, ça qui est important pour mettre là, c'est pour venir joindre nous dans travail là, c'est ça où l'on serviteur fidèle, parce que yo, bon Dieu pas payer commencement, c'est la fin le payer. Et tout le monde qui souhait pour bon Dieu a changé pour lui. Il dit après que nous finissons goumer, après nous finissons bataille, après nous finissons lutter, après nous finissons faire ceci, nous finissons faire cela, à toute souffrance, yo, toute persécution, yo, toute humiliation, déception, yo, eh bien, le Seigneur a gagné pour couronner nous, ces serviteurs fidèles-là. Li bay serviteur ça, puis go responsabilité toujours. Mais serviteur méchant, symbolisé yon moun ki pote non chrétien et puis ajustement li pa montre l ap tan met la tout bon. C'est semblé dans le chrétien, c'est pour moun quelquefois fois vin l'église, c'est pour un jeune fille vin l'église, c'est pour un jeune garçon vin l'église, c'est pour un fils son mariage li besoin vin l'église, son business li besoin vin l'église, son travail li besoin vin, c'est kay li besoin. En un mot, c'est bagay matériel, li besoin. Quand le fin jwenn yo, il vin gon petit, li fin gen mari, ou pa jwenn li l'église encore, parce que li pat yon serviteur qui fidèle. La fait toute qualité vie bagay. La tombe bat camarade li yo. La prete appelé de manger, appelé de boire ak ta fiate. Dans verset 49 là. Serviteur méchant, pas participer dans enlèvement l'église là s'il n'est pas repenti. Ça veut dire que s'il était dans même genre l'a fonctionné même genre, eh bien c'est tendé l'a tendé retour Christ là. Ça veut dire que monde qui a fonctionné comme ça, c'est pas yo pas gain attitude monde qui a tendé retour Christ ça. En nous lit parabole talent dans Matthieu 25 verset 14 à 30. Là-dedans nous joignent encore deux qualités serviteurs. Vrai serviteur à faux serviteur.
Comprenez? C'est étude ça, c'est ça que fait en tant que chrétien, c'est pour nous choisir une assemblée côté qui gagne parole qui a distribué côté l'église qui gagne étude qui gagne école dominicale. Normalement, dans le temps, nous y là, c'est pas tant seulement pour nous aller dans l'église, y a volant l'air. Nous allons dans l'église, c'est jeune, y a fait, c'est pas dit, jeune, pas bon. D'ailleurs, si vous pas la parole, ou pas qu'à faire, ou pas qu'à jeûner bien, ou pas qu'à prier bien. Nous, c'est pour nous aller dans l'église, matin, midi, soir, c'est chanter, y a chanter seulement, y a pas j'aime chita pour nous faire nous lire. Parole, mon Dieu, c'est des histoires, etc. C'est voler en l'air, fait nous dire 50 coups de béni soit l'éternel, mais y a pas j'aime faire nous chita pour nous étudier parole là, pour nous connaître mon Dieu, pour nous servir mon Dieu en connaissant de cause. Vrai serviteur, c'est mon qui fait travail, mettre là, t'es confié, t'es confié à bien. Ça veut dire faire travail là sans murmurer, sans parler, sans plaindre. Vrai serviteur qui gagne sans de responsabilité, c'est pas mon capitaine, c'est payé pour payer tout temps au pas payer, il pas chanter un cantique, il pas payer, il pas diriger un service, il pas payer, il pas diriger, il pas prêcher, il pas faire étude, il pas faire rien, il pas faire nettoyage, il pas faire rien l'église parce que c'est payé pour payer. Les sale pas un vrai serviteur, il pas un ouvrier avec Dieu. Nous dit aucun nan nous. Ouais ça? Ça veut dire nous bien, nous besoin bien saisir ça. Ben nous dit mais faux serviteur c'est si là. Faux serviteur a. Ouais ça? C'est si là qui gaspiller bien bon Dieu yo et puis qui pas développer capacité à force li nan service bon Dieu a. Aucun nan nous pas de faire négligence nan travail bon Dieu a parce que bon Dieu a honoré tout bon serviteur li yo mais vieyo va ont nan dernier jour. Ça veut dire bien moun ki bon serviteur qui t'a fait travail bon Dieu. Eh bien normalement non pas intérêt mais par engagement puisqu'il te répond oui il s'est diacre, il te répond oui, il s'est diagoné, il te répond oui, il ordonne comme pasteur, comme diacre, comme prédicateur, comme prophète etc. comme docteur, moniteur. Vous comprenez? Eh bien il était là, il était bas responsabilité pour être responsable timon, responsable jeunesse etc. responsable dame d'homme. Eh bien il fait travail là. Eh bien avec cœur côté bon Dieu prend note de ça qu'il a fait. Et finalement, eh bien, jour qu'a vini yo, eh bien, le Seigneur va dire vini serviteur fidèle, la recevoir. Ou ça, mais moun qui te néglige, ou te bal travail, li fait l'aile les gens le s'il veut. Comprendre, c'est sous un tel l'a gardé, un tel fait, li pas fait, li pas fait. Li fait l'aile les gens le s'il veut. À la plein, la bougonné, eh bien, moun sa yo pral mettre dehors, le ciel pral mettre dehors, pa recevoir yo nan royaume li. C'est très important ça. Vous comprenez dans Matthieu chapitre 2, eh bien normalement 25 ans, dans verset 19 à 23, il explique comment il va mettre moun sa au dehors. Donc, bon Dieu a cherché bon serviteur. Qui gens ou capable c'est un bon serviteur? Eh bien nous souhaitons expliquer ça. C'est bon serviteur yo, bon Dieu a cherché. Vous comprenez? Eh bien parce que c'est eux même les compter sur eux non seulement ti bal ti responsabilité bal ti travail la augmenter travail li et la bal toute protection et la multiplier ça qui nan mel et dans sens ça nous dit que li important et extrêmement important pour nous mêmes pour nous gagner attitude ça yo pour nous c'est un bon serviteur et qui est fidèle cap travail pour le Seigneur et enfin quatrième point c'est pour nous kembe ferme jouk sa kaba. Ça veut dire quel que soit chan bagala difficile, quel que soit chan bagala compliqué, c'est pour nous kembe ferme. Chrétien qui voulait faire bon Dieu plaisir, toujours kembe la foi li dans Seigneur Jésus jouk sa kaba. Comprenez, c'est pas parce que pas gen problème, pas gen tête chargée, mais c'est pour kembe malgré jan sa yo. Malgré souffrance à toute qualité problème parce que tout monde qui voulait vivre dans service bon Dieu ensemble avec Jésus-Christ, gain pour souffrir persécution, gain pour persécuter, gain pour humiliation, déception, toute bagaille capable briver. Dans 2 Timothée 3 verset 12 il dit ça. Verset 12 verset 14 il dit ça. Mais bon Dieu va pour ça récompenser tout le monde qui va gagner bataille là. Depuis ces monde comme si qui acceptait souffrance comme si était douce. Eh bien la Bible dit que au pas durer longtemps et très bientôt yo gain pour suspendre. Eh bien, dans ce sens, ça. Romains chapitre 12, verset 1er. Nous dit,
Mais on dit comme ça, ne manquez pas la moisson de vos larmes. N'importe sacrifié, pas où était confiance en Seigneur Jésus. Pensez plutôt à récompense là. Vous comprenez? A bien problème, a bien tête chargée, il t'a déjà dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vécu le monde. Oui, Jean 16, verset 33. Ça veut dire que quel que soit Jean Bagalaye, eh bien, c'est pour nous marrer, ceinture nous, pour nous résister, pour nous capables de surmonter tout ça que nous avons de Napoué, qui a passé à travers le monde, à travers le pays côtoyé, à travers la zone côtoyé, en dépit de tout ça qu'on a, eh bien, c'est pour qu'on soit ferme dans la foi, parce que c'est le monde qui a la foi, eh bien, c'est eux-mêmes Jésus, et gagner pour recevoir, pour prendre, et pour aller côté de aller avec eux et pour passer tout le temps ensemble avec eux. Nous dit mais si nous tournons dans vie la vie nous t'a mené avant nous te convertir et puis entrer dans vie compromis avec le monde nous pas besoin de belle récompense la vie bon Dieu te promet tout le monde qui remet lio. Au contraire, c'est va la honte pour tout le temps. Vous ça, c'est va la honte pour tout le temps. Eh bien, tout le monde qui kembe la foi, qui pas abandonné, vous comprenez? La vie a dur, la vie a difficile, la vie a compliqué. Eh bien, quel que soit chance aïe, m'pap je bolet. Quel que soit chance aïe, m'pap pral kay gangan. Eh bien, quel que soit chance aïe, eh bien, normalement, m'kon se marié pour marié pour m'koucha un fille, pour m'koucha un garçon. Quel que soit chance aïe, m'pap gen doit bay menti. Quel que soit chance aïe, m'pap gen doit rentrer dans corruption, dans immoralité. C'est pour kembe. Et ça va permettre que le Seigneur a dit, vini, serviteur, eh bien, normalement, ou te travaille pour ça. Mais les gens qui rentrent dans le compromis, eh bien, qui tombent dans le bagage, eh bien, ils vont rentrer dans sa roule, la honte. Enfin, nous dit, tout vrai chrétien doit vivre dans la perspective de retour Christ. Là. Nous devons toujours songer, c'est pèlerin nous sous terre, sous la terre. C'est tant n'aptant jour Seigneur à tourner. Qui donc? Nous devons toujours veiller. Nous ne devons pas quitter dormir pour nous. En nous menant la vie qui sépare avec péché. Jour, Seigneur Jésus va venir. Parce que nous, tout le monde qui goûte, jour qui a gagné une bataille là, bon Dieu va bailler droit pour manger dans le pied bois qui baille la vie. Pied bois qui n'a mis en jardin, bon Dieu. Selon Apocalypse chapitre 2 verset 7. Bon Dieu voulait toute petite lio gagner bataille là. Et c'est pourquoi nous besoin goûter, nous besoin lutter, nous besoin normalement persévérer dans la prière, persévérer dans la foi, persévérer dans l'amour fraternel et pour nous capable afficher attitude ça pour nous montrer effectivement et nous c'est monde captain Christ ça. Mais il y a des gens n'a vu, il y a des gens n'a fonctionné, il y a des gens nouillé, il y a des gens moun wè nou, eh bien, li pa montre que nous c'est moun captan Christ la, c'est moun qui gagne et normalement qui gagne qui gagne espérance, eh bien qui connaît gagne après monde ça, après vie ça, gagne l'autre vie qui pi important, eh bien c'est la vie éternelle. Et que bon Dieu capable visiter nous, que bon Dieu capable toucher nous et que bon Dieu capable remplir nous avec grâce et bénédiction. Merci, à la prochaine.